حنا الممثلين تاعو دوك حبروك خلاص نو جاني لي انا كنت حاب نسقسي على لي زابيلاسيون غير مزربوط مجنون علاش سميتهم هكذا مجنون سي تري امبورطون فوالا وي باسكو تسمع جو في تو دير جي تورني ان فيلم avec un réalisateur tunisien qui s'appelait Majnoun Leïla. Leïla m'a raison, mais ce n'était pas ça. C'était avant ça, je connaissais le mot Majnoun. Narfou, ou Hebbetou. Tu sais, on aime des fois des mots. Oui. Voilà, j'ai aimé ce concept et je me suis dit, mon groupe, il va s'appeler comme ça, mes tournées, le concept, et il reste toujours comme ça d'ailleurs. Zarbot, c'est une autre histoire. Zarbot, c'est parce que je voulais faire un concert, je crois, pour faire toutes mes musiques, autant de films que le jazz, que le raï, d'ailleurs, Jahal, Derana, Jamel, Layarhamou et tout ça. Et je voulais l'appeler Baraka, parce que ça m'a 30 ans, Baraka, tu vois. Oui. Je me promenais en ville et tout ça, on chauffe boucherie Baraka, le Baraka, le banque. Je me suis dit non, ça ne peut pas marcher. Et par contre, j'ai emmené des gens visiter Chouir Kasba. Ou subtement chez Israël, il a joué le zarbout, tu vois. Mais c'est sincèrement, quand je les ai vus, il y a quelqu'un qui a joué le zarbout, tu vois. Et j'adore les enfants. Donc je me suis dit, ça y est, je vais changer le truc. Je vais, appeler le concert zarbout, l'album, et je vais prendre les gamins. J'ai pris... Parce qu'avec le concert, ça fait un... Je vais vous parler de détails. Parce qu'on est avec le concert, je l'ai fait. Ou quand sera un événement très important, j'étais très ému. Donc après, on va vous parler de détails. Mais je vais te le dire d'abord quand même, parce que j'adore couper la parole. Et donc, écoute-moi, non, c'est que je me suis dit, donc les gamins, j'avais une assistante, Maya. Écoute, là, tu prends l'ISM, tu vois, une quinzaine de gamins. On demande aux parents, bien sûr, où elle dit home ou couché, ou le bisnaam ou aklnaam, mais ils étaient traités comme je sais pas quoi et tout. Et c'est eux qui ont ouvert le concert, c'est-à-dire que t'as sur scène pour le début du concert, ou home à la fin aussi, pour clôturer le concert. C'est vrai, bravo!